Alors, j'ai une amie Ghislaine, une fille d'une simplicité archaïque qui travaille dans le génie. Et je suis allée la voir l'autre jour. Elle a un appartement ravissant avec des divans au plafond et des éclairages souterrains. Une simplicité adorable. Et elle a un chien. Un chien qui s'appelle Hannibal. Une chose adorable. C'est un croisé de Danois et de Pékinois. Bonjour chou, m'a-t-elle dit. Elle était dans le noir. Elle était en train de penser. Elle m'a dit, vous savez qu'il est arrivé une chose ahurissante à Gismond. Taisez-vous Hannibal, vous êtes odieux. Elle dit, vous connaissez Gismond. C'est une fille absolument sensationnelle. C'est une fille qui a dépassé Picasso depuis très longtemps. C'est une fille qui peint un coup de marteau. Elle envoie la couleur dans la toile avec le marteau, et plus la toile est crevée, plus elle se vend cher. Une fille absolument sensationnelle. Restez tranquille, Hannibal, vous êtes odieux. Oh, ce chien me tue. Il lit beaucoup en ce moment. Oui, il lit du Valérie, il boit beaucoup de champagne, encore par toutes les marques. C'est un chien insupportable, mais je l'adore. Oui, je vous disais donc, vous savez qu'avec Gismond, nous avons écrit un ouvrage qui est une chose, une œuvre maîtresse, enfin une chose absolument extraordinaire. C'est un côté physiologico-sexuel qui est une chose étonnante. Oui, voilà. C'est l'histoire d'un garçon qui vient pour assassiner sa grand-mère. Pauvre idiote. Elle avait fait des économies, croyez-vous que c'est bête. Et si affreusement démodé. En fait, il est merveilleux d'une casquette d'un côté, un abcès de l'autre. En fait, il est affreusement excitant. Alors, il vient, n'est-ce pas? Il l'assassine. En fait, c'est une drôlerie. Il la coupe en morceaux. Et le roman s'appelle « Et le mec n'était pas venu pour enfiler des perles ». Oh, mon chou, ça s'est vendu comme des petits pains. C'était absolument adorable. Taisez-vous, Hannibal. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles de Donald. Vous connaissez Donald, oui. Mon ancien flirt. Un garçon merveilleux. Ah, c'est un garçon absolument formidable. Seulement, vous savez, il est incapable de trouver une situation. Oui, il avait écrit une chose très belle, oui. Il avait écrit une chose très, très belle. C'était une symphonie pour triangle et grosse caisse. Oh, ça avait un côté J.B. Bach, Jean-Sébastien. Et vraiment, c'était une chose hallucinante. J'ai adoré ça. Il faut écouter ça absolument couché sur des divans. Enfin, c'est un côté... Je ne sais pas comment vous dire, enfin, c'est très sexy dans l'ensemble. Taisez-vous, Hannibal, vous êtes odieux. Alors, je vous disais donc, je suis partie avec Gismond au sport l'hiver. Oui, nous avons été à Meugin, parce que j'étais dans un état d'épuisement intellectuel affreux. Et alors, vous savez, j'ai passé une chose terrible. Cette malheureuse fille est affreusement coquette, elle s'est fait faire une combinaison de ski, les pieds formant cagoule, une chose d'une fraîcheur merveilleuse, avec deux grandes aigrettes sur les épaules. Enfin, une chose très, 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 très simple. Mais alors, d'une ligne très pure, vous savez. Oui, c'est étonnant. Je veux dire, avec deux grandes aigrettes qui flottaient au vent, n'est-ce pas? Elle s'était fait faire des skis en platine à cause de l'orage. Et alors, un jour, il y avait une chose horrible. J'étais avec Hannibal. Taisez-vous, Hannibal, vous êtes odieux. J'étais avec Hannibal en bas, je l'attendais. C'est en bas des mandarines, à me chèvre. Et il lui est arrivé une chose abominable. Mais elle a fait un soleil en slalom, elle s'est ramassée, ma chère, elle s'est fait une maladie de luxe, une chose qui va lui coûter une fortune. Taisez-vous, Hannibal, vous êtes odieux.